Rytm. I uno. Je vais entendre sur la piste de danse. Let me hear it. Un, deux. De nuestro amigo Eric aquí, ¿cómo es la página? SoulMontMTL.ca. SoulMTL.ca. Nuestro amigo Eric, que está viendo un fan documental, está haciendo un documental de acá de lo que está haciendo el CEO. Así que muchas gracias, Eric. Merci beaucoup por estar aquí con nosotros, SoulMTL.ca. La transmisión existe depuis 5 ans, por la frecuencia 106.3 FM, Skim. Y. Oui, si, on fait le travail tous les mercredis, jeudi, vendredi à 18h pour 106.3. Oui, des programmations, beaucoup des émissions qui ne sont pas mexicaines, mais aussi des autres endroits du monde, par exemple de Panama, okay. Les jeux urbanos, okay. Et bien que c'est Viva México du Mexique, okay. Et un autre s'appelle Allo Latino. Quand je suis arrivé, c'est une histoire comme... J'étais avec mes parents, on est venu étudier, mais dans ce temps-là, je te parle des années 90, là, tu sais, c'est comme, il y avait beaucoup de problèmes raciaux dans ce temps-là, fait que on avait vécu plein de choses, puis tu sais, c'est comme dans ce temps-là, il y avait les Noirs, les Latinos, les Arabes, fait que, tu sais, il n'y avait pas cette unité qu'on a maintenant. Tout le monde était séparé dans son secteur. Tout le monde était séparé dans le secteur, puis c'était comme, si tu n'étais pas dans une gang, t'étais un outsider. Okay. T'étais pas obligé, mais quand même, t'étais avec eux, tu comprends? Okay. Fait que ça a été le cas aussi un peu. Fait que, c'est comme on a tous vécu des affaires comme ça. Okay. Mais de toute façon, moi, je suis reparti à mon pays, au Panama. Okay. Après ça, je suis retourné moi-même. Ça fait quelques années. Okay. Et c'était comme mon temps de faire un petit... je voulais être indépendant de moi-même. Quand je suis revenu, ben là j'ai vu que c'était encore, il y avait plus d'immigrants, oui. plus de communautés. Muy bien, que me hago. Moi ça m'a. Comment? J'ai aimé ça. Ni, con mi hermano, ¿cómo tú estás? Tu sais, les ethnies. Fait que là j'ai dit bon, ben, on va travailler dans bien, quelque chose latino. Fait que on continue. Puis tu sais, la diversité, c'est vraiment bon parce que tu sais, tu peux sauter okay, de communauté en communauté. En travaillant un exemple comme moi, animateur, je peux le faire. En anglais, français, puis tu sais, des Haïtiens ou des Africains, même des Latinos. On peut travailler dans n'importe quoi. Là. Fait que c'est quand même bon, puis tu sais, il faut être, est-ce ça, vraiment être en unité. Je m'appelle Luis, j'ai une bande, c'est un mélange de hip-hop, grunge et rock'n'roll à Montréal, ça s'appelle Black Void. La musique, elle est plus en espagnol ou bien il y a un mélange, parce que je sais que vous parlez français, anglais et espagnol. Ouais, ben la musique ça se donne plus en anglais puis espagnol. Puis moi, comme j'ai vécu quelques années aux États-Unis, on essaie de jouer un peu avec les mots espagnol et anglais, donc on appelle ça l'espanglish. Fait que c'est okay. Un mélange d'espagnol puis anglais, les paroles. Ok. Plus le funk, ça donne vraiment une belle. Et les autres membres de ton groupe, est-ce qu'ils sont québécois ou ils sont plus mexicains? Non, je suis très fier d'eux. Tous les trois, c'est des Québécois. Tous les trois, ils ont fini leurs études. Moi aussi, donc on est très proches, on est très contents d'être ensemble comme bande.